seen significant changes in what COVID-19 means for the country. Every day, we've had new updates for Canadians. On a mis en place de nouvelles restrictions de voyage pour ralentir la progression du virus. Par exemple, nous restreignons temporairement les passages non essentiels à la frontière canado-américaine. On a investi dans la santé et la recherche, et on a dévoilé un plan économique sans précédent. We're moving fast because that's how we will protect Canadians and the economy. I know it's also a lot to take in. People are having to figure out how they can work from home or close up shop temporarily. Parents are trying to explain to their kids what's going on and why school is canceled. Right now, the last thing anyone needs is to be worrying about how to make ends meet. People need to know they have support for their jobs, their businesses, their industries. And that's what our government has been focused on since day one. Yesterday, we announced an $82 billion plan that will support all Canadians. This includes a whole range of measures. And people should be checking Canada.ca for the latest information. Our team is hard at work with the public service in making sure these new supports get to Canadians as quickly as possible. They're doing a fantastic job already. And I'll have a long discussion with the Clerk of the Privy Council later today to talk about how we can support our public servants and ensure that Canadians can access these new programs. But the bottom line is this: we're giving you more help when you need it. If you're a parent, we're here for you, just like for the single mom of two who will get nearly $1,500 by the end of May because of the increase in the Canada Child Benefit and the GST credit. If you're worried about making ends meet, we've got your back. Just like for the family that was concerned about their mortgage and now doesn't have to make payments for the next 6 months. And if you're helping others, we're standing with you. Like with the Samaritan House in Brandon, Manitoba, that on Wednesday was able to open and deal with COVID-19 thanks to new funding. They were worried because their clients had nowhere to go since everything else closed. But now, with the new support, they can stagger entry to 10 people at a time, extend hours, and stock up the food bank. On vit des moments difficiles, mais on va traverser ça ensemble. Que vous ayez besoin de plus de temps pour rembourser un prêt étudiant ou que vous soyez un agriculteur qui s'inquiète de son revenu, on est là pour vous. Et on va continuer de faire tout ce qu'on peut pour vous aider. On health, we're continuing to pull out all the stops to keep you safe. We're moving forward on vital research for everything from better understanding how this virus spreads to developing vaccines and treatments. As part of the $1 billion fund I announced earlier this month, $25 million will directly support 49 researchers and their teams across the country. Their work is focused on developing and implementing measures to detect, manage, and reduce the spread of COVID-19. Across the country, scientists and researchers are working extremely hard. I want to take a moment to specifically thank them for all the essential work they're doing. At the same time, we will expedite access to COVID-19 lab test kits and other medical devices. The reality is that the need for these test kits is growing. Yesterday, Dr. Tam said that officials have now tested more than 50,000 Canadians since the beginning of the outbreak. 25,000 of those were done just in the last week alone. So while we ramp up, we're making sure Canada is ready to keep up. Ministers Haidu and Minister Freeland will continue working with the provinces and territories so that everyone has the resources they need. In times of crisis, Canadians come together. We've heard from businesses from coast to coast to coast who are telling us they want to help. Soon, I'll have more to say about procurement and how industry can help with this effort. But until then, I want to let people know that we are working tirelessly to keep our hospitals, healthcare system, and Canadians supported. On that note, let me take a moment to recognize again the incredible work of our nurses, doctors, technicians, and other healthcare professionals. They are on the front lines of this, and they're doing a remarkable job. We need to support them and keep them healthy as well.
But even if you don't work in a hospital, you can still keep people healthy. For example, we still need blood donors. So if you're able, consider going in and donating. Book an appointment online through blood.ca or by calling 1-888-236-6283. On a encore besoin de donneurs de sang. Si vous pouvez faire un don, on vous encourage à le faire. Pour prendre un rendez-vous, visitez le site d'EMA Québec ou appelez le 1-888-236-6283. On cherche aussi d'autres façons d'appuyer les Canadiens qui sont à l'étranger. Tout à l'heure, j'ai parlé avec le président Zelensky de l'Ukraine, de la situation et des façons de coordonner notre travail. Je vais aussi parler avec le premier ministre Löfven de la Suède cet après-midi. Plus tôt cette semaine, on a annoncé un nouveau fonds pour aider les gens à obtenir jusqu'à 5 000 pour rentrer au pays ou subvenir à leurs besoins en attendant de pouvoir rentrer. On travaille aussi avec des entreprises des télécommunications. Ils ont accepté d'envoyer un message texte aux Canadiens à l'étranger sur les services consulaires qui leur sont disponibles. Les ministres Baines et Champagne ont travaillé avec des partenaires pour mettre ça en place. On va continuer de s'assurer que les gens obtiennent l'information dont ils ont besoin. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et on veut s'assurer que les gens sachent comment obtenir de l'aide. Je tiens à rappeler que les Canadiens peuvent rentrer au pays et ils devraient le faire. Et à tous ceux qui ont de la difficulté à revenir, on travaille fort pour régler la situation. J'ai d'ailleurs parlé de cela aux dirigeants d'Air Canada et de WestJet hier après-midi. I know people are worried about what the days and weeks ahead hold, but there's no doubt these are uncertain times. But no matter what happens next, we can count on each other. So keep supporting your neighbors by picking up some groceries for them if you're already at the store. Check in with people on the front lines like cashiers and truckers, pharmacists and hospital staff. Take the right steps like staying home and working remotely to help flatten the curve. And as you do, know that your government is right there with you. We're working to slow the spread of this virus. We're taking steps to support you through tough times. There is nothing we won't do to keep you safe and to protect your health. Thank you. Merci tout le monde. Now happy to take your questions. Hi, Prime Minister. Mackenzie Gray with CTV News. Yesterday, Premier Kenney in Alberta estimated that it won't be till May or June that social distancing measures will be lifted. How long do you think social distancing and having people work from home will be in place for? We are going to continue to follow the best recommendations of experts. We've heard anything from weeks to months. We know this is a difficult and extraordinary time in which Canadians are taking difficult and extraordinary measures, and we will continue to do that until Canadians are safe. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Raymond Fillion de TVA. Deux questions. Fermeture de la frontière canado-américaine. Est-ce que vous avez une précision aujourd'hui à savoir à quel moment précisément ça va entrer en vigueur? Et vous et votre gouvernement avez dit à quelques reprises au cours des derniers jours, ça va empirer avant de s'améliorer. Pouvez-vous dire aux Canadiens quel est le pire scénario qui pourrait survenir? D'abord, par rapport à la frontière américaine, on est encore en train de travailler pour finaliser les détails avec les Américains, mais on s'attend à ce que les mesures prennent effet probablement dans la nuit de vendredi à samedi, dans une journée et demie. Par rapport aux mesures et aux scénarios qu'on envisage, évidemment, on est conscient de toute une variété de scénarios possibles. Ce qu'on est en train de faire par rapport aux mesures de distance, par rapport aux fermetures, vont garder les Canadiens plus en santé et en sécurité, mais on va continuer d'être prêts pour toute éventualité. Okay. We are continuing to work on the fine-tuning of the agreement between Canada and the United States. I think it's almost there. My understanding is that the measures will probably come into place in the night between Friday and Saturday, so in about a day and a half.
Spanovich, CBC News. Prime Minister, President Donald Trump yesterday signed the Defense Production Act, which would allow the U.S. military to help in the production of personal protective equipment, such as masks. And the Italian military is also helping to produce ventilators. Canada has its own Defense Production Act with similar powers. So are you considering using them, and under what kind of circumstances? Yes, we are considering using any measures necessary to ensure that Canadians and our healthcare systems have the supports they need. We've already been engaged with industry on production and ramping up capacity to build and create more equipment. We will, of course, look at military procurement as a solution as well. There's a range of things that we can do, and we will do what is necessary. Oui, nous regardons toutes les différentes mesures nécessaires et possibles pour s'assurer que l'équipement dont les gens ont besoin est disponible. On a déjà parlé avec beaucoup de manufacturiers par rapport aux besoins de notre système de santé, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, mais on va aussi regarder d'autres moyens qui pourraient inclure les aspects militaires aussi. Monsieur Trudeau, sur les ponts aériens évoqués par Monsieur Champagne, est-ce qu'il y a des destinations, des pays qui ont été identifiés en priorité? Vous en êtes où pour ça? Et plus spécifiquement, sur les Canadiens à bord de ce bateau de croisière, là, près de Marseille, est-ce que vous pouvez rapatrier ces gens-là? On est en train de regarder l'énorme montant de demandes qui rentrent de partout dans le monde. Les Canadiens ont reçu à l'étranger un message texte qui leur informait de où contacter et comment passer le message qu'ils ont besoin d'aide. On est en train de faire un tri. Comme j'ai dit, j'ai parlé aux dirigeants d'Air Canada et de WestJet hier soir et on a souligné qu'on va travailler ensemble pour essayer de rapatrier d'urgence le plus grand nombre de Canadiens possible. Par rapport au bateau de croisière, j'ai pas d'informations à ce moment-ci. Okay. As we've said, we're going to work very, very hard to bring Canadians home. It's time for Canadians to come home from around the world. We recognize that that will be a challenge. That's why we sent out a text message to all Canadians overseas with information on how to share their situation and get in touch with consular services. I spoke yesterday with the heads of our two large airlines, WestJet and Air Canada, to talk about how we can work with them to ensure that there are flights to bring Canadians home. We will continue to respond to the overwhelming demand by Canadians for support. We will be there to help them and get home as many people as we possibly can in the coming days and week. On the cruise ship in question, I don't have any specific information on that, but I'm sure there'll be further updates at noon on the regular press conference. Guillaume Saint-Pierre, Journal de Montréal. Bonjour, M. Trudeau. Où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion par rapport au recours à la loi sur les mesures d'urgence et comment ça fonctionnerait? Est-ce que vous auriez besoin de l'approbation des provinces ou du Parlement? Et est-ce que c'est une option pour vous de restreindre le mouvement entre les provinces? Écoutez, comme j'ai dit, on va regarder toutes les différentes mesures nécessaires. On n'écarte rien en termes de possibilité de ce qu'on pourrait avoir besoin pour garder les Canadiens en sécurité. En même temps, on reconnaît que la loi sur les mesures d'urgence, c'est une loi extrême. Qui a des grosses implications, qui exigerait aussi un passage législatif. Il faudrait que ça soit fait à la Chambre des communes. Ça donne des gros outils. On dispose actuellement de beaucoup d'outils qui nous permettent de faire tout ce qu'on a de besoin maintenant. S'il y a d'autres étapes à faire qui ne pourraient être accomplies par les mesures d'urgence, on va absolument regarder de les utiliser. Prime Minister Jamie Paschagumska, APTN National News. Yesterday, you mentioned $305 million that would go to Indigenous communities to help with this pandemic. You mentioned a distinctions-based approach. Could you explain what that means for First Nations status, non-status, Inuit, and Métis Nation communities? We are going to be sending money
to indigenous communities for them to use the way they need to keep their communities safe through COVID-19 and support access to supplies they need and get through this difficult situation. We recognize that indigenous Canadians are faced with greater health vulnerabilities and greater economic challenges than most Canadians at the best of times. There is a need for special support and special care for Indigenous communities and Indigenous Canadians right across the country. Minister Miller of Indigenous Services will be part of the press conference today at noon to answer more questions and to talk about specifically what we're doing with Indigenous Canadians. Thanks, Prime Minister. Nick Taylor-Grazy from Macleans. On small businesses who've had to shut their doors already and have zero revenue coming in, say that the help that was promised yesterday won't help them if it doesn't get there in time before they go bankrupt. What about immediate payroll support? We have made credit a lot easier to access for businesses of all sizes right now. Those were moves we made last week to ensure that there are loans, there is bridging financing available for businesses large and small. We've also taken specific measures on payroll support for small businesses that will be available in the near future. The help for Canadians will be flowing in the coming weeks. We recognize that this is a difficult time, both in terms of getting these new programs in place quickly enough to help Canadians, and that is why I'm going to be working with the public service to ensure that all our efforts are focused on supporting Canadians through this difficult time. Nous reconnaissons que les petites entreprises font face à des défis particuliers. C'est pour ça qu'on a annoncé des mesures hier pour aider. Mais on avait aussi annoncé de l'accès au crédit la semaine passée qui va être plus facilité pour aider ces entreprises qui font face à des moments difficiles immédiatement. L'aide pour les Canadiens qui ont besoin de sources de revenus va venir dans les semaines à venir. On reconnaît qu'on fait tout ce qu'on peut pour que ça se passe le plus vite possible. Mais évidemment, c'est des nouveaux programmes qu'on est en train de mettre en place au gouvernement. C'est pour ça qu'on travaille avec la fonction publique pour pouvoir livrer tout ça. Thank you. We'll now go to the phone for a few questions. Thank you. Merci. The first question is from Marika Walsh from the Globe and Mail. Please go ahead. À vous la parole. Hi, Prime Minister. I'm wondering what your message is to retirees who are seeing their savings dramatically hit by changes in the market. Is the government looking at, for example, supplementing OAS or GIS, or is there anything that you will be doing for them? Recognize that the market disruptions are massive, and many Canadians have seen their retirement savings and pensions reduced significantly. We will be taking measures to ease the impact of that. We know that our seniors have worked hard all their lives to be able to retire in comfort, and there is a lot of anxiety there. That's why we will be there for our seniors as well. Thank you. Merci. La prochaine question est de Mélanie Marquis de La Presse. À vous la parole. Please go ahead. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Vous avez annoncé hier dévoiler un plan d'aide costaud. Quels sont les scénarios de travail à partir desquels vous planchez? Par exemple, à combien d'hospitalisations est-ce qu'on s'attend à l'ensemble du pays? Combien de pertes d'emploi? Combien de victimes? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres, s'il vous plaît? On est en train de regarder, évidemment, un éventail de scénarios, de se préparer pour un éventail de scénarios. On espère que ce sera le moins possible, et c'est exactement ce qu'on veut contrer avec les mesures qu'on est en train de prendre maintenant, que ce soit au niveau d'encourager les gens de rester chez eux, encourager les gens de travailler de la maison, d'aider les gens à pouvoir avoir des sources de revenus s'ils ne peuvent pas travailler. On veut passer à travers avec le moins d'impact possible et le moins d'hospitalisation possible. On est prêt quand même à des éventualités plus sévères, mais tout ce qu'on est en train de faire est ancré sur l'idée qu'on va pouvoir éviter les pires scénarios. Thank you. Merci.
and the question is from Hélène Buzetti from Le Devoir. À vous la parole. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Il y a plusieurs personnes qui sont coincées à l'étranger en ce moment et qui demandent de l'aide pour revenir et qui étaient parties en voyage récemment alors que la pandémie était déjà en vigueur. On entend déjà parler des gens qui disent qu'il y avait peut-être eu de l'insouciance de leur part. Vous, qu'en pensez-vous? Et est-ce qu'on doit quand même déployer des ressources de l'État pour les ramener? Je pense que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'essayer d'aider tous les Canadiens. On va pas porter de jugement sur les gens. On va essayer tout simplement de les aider. C'est pour ça qu'on est en train de travailler avec les transporteurs aériens pour faciliter le retour de Canadiens de partout dans le monde dans une situation difficile. We're focused on bringing Canadians home. We're focused on trying to get our air operators to facilitate more flights to get Canadians home. We recognize that this is a very difficult and exceptional situation, and we're just going to be here for each other.